Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tonton et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde. Mais juste avant, à chaque fois, vous savez que j'ai toujours un petit truc à vous dire avant de commencer la vidéo et d'attaquer le sujet même. Donc tout d'abord, je tiens encore une fois de plus à vous remercier pour la vidéo précédente, pour tous vos likes et vos commentaires. Je trouve ça quand même normal à chaque fois de remercier ses abonnés. Donc, eh bien encore merci les frères, à tous, je dis bien à tous. Essayez de vous sentir vraiment visés. Si vous avez bien sûr laissé un commentaire et un like, sentez-vous visés parce que je vous remercie sincèrement les frères et ça vient du cœur, vous voyez. Donc aujourd'hui les frères, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde comme je vous ai dit. Mais juste avant, je tiens à vous parler d'une nouvelle série qui va arriver sur ma chaîne, ou même deux nouvelles séries qui vont arriver sur ma chaîne. Parce que vous savez que je suis pas le genre de youtubeur en fait qui va garder une série, qui va la faire au moins 1000 fois juste parce qu'il sait pas quoi faire. Donc moi, vous savez, j'aime bien créer du nouveau. Vous savez, j'aime bien réfléchir avec ma tête et trouver des nouvelles séries. Parce que, certes, il y a des youtubeurs, peut-être, bon, ils font comme ils veulent après, hein, c'est leur chaîne. Mais moi, j'aime pas, vous savez, sortir 100 épisodes d'une série, vous voyez. Je trouve ça un peu dégueulasse. C'est comme si tu regardais une série à la télévision et que la série ne finissait jamais. T'aimes pas la série si elle finit jamais, tu vois ce que je veux dire. C'est comme du Prison Break, on a bien aimé, au bout d'un moment ça commençait un peu à lasser, et après bah, ça s'arrêtait au bon moment, vous voyez. Ou c'est comme Taxi 3, Taxi 4 et tout ça, c'était une bonne série, et quand en plus ils en abusaient, et moins c'était bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça, une série pour moi, vous devez en faire plusieurs, mais sans que ça reste, voilà, qu'il y en ait des millions quoi. Moi j'aime bien rénover, donc les séries, vous en avez deux. Vous avez une série où je vais parler des youtubeurs, donc dites-moi si vous êtes d'accord, vous, une série où je vais parler des youtubeurs, où je vais dire tout ce qu'il y a sur les youtubeurs, donc les youtubeurs sont-ils des stars, les youtubeurs sont-ils des faux culs, les youtubeurs sont-ils des vendus, vous voyez plein de sujets comme ça, où j'attaquerai aucun youtubeur, donc je ne suis pas le genre de mec qui va attaquer un youtubeur précisément, mais je vous parle un tout petit peu de ce que je pense de YouTube en tout cas, pour un youtubeur de 16K qui est quand même passé un peu plus d'un an sur YouTube et qui a connu beaucoup de monde, je vais vous dire un tout petit peu ce que j'en pense, et je vais vous en faire une aussi, la vie de couple, parce que je sais que ça vous intéresse quand même, vous êtes jeune, vous allez avoir des copines, et ça vous intéressera de savoir comment ça se passe en couple, donc je vais vous faire une série comme ça aussi, donc voilà, essayez maintenant de mettre pause sur la vidéo, et d'aller dans l'espace commentaire et de me dire si vous êtes chaud pour cette série, et maintenant vous enlevez pause, et vous attaquez la vidéo, je vais vous parler de la Coupe du Monde. Donc tout d'abord les frères, vous savez que la Coupe du Monde, je suis désolé je parle trop vite, je sais parce qu'il y a 9 minutes 40 de vidéo, ça me dégoûte un peu, bref les gars, on est là pour parler de la Coupe, comme je vous ai dit. La coupe c'est un moment historique, hein, j'ai envie de dire, c'est un moment très très important pour la planète entière parce que comme on dit c'est la coupe du monde, hein, le monde entier est là, le monde entier a les yeux rivés sur les écrans. Mais malheureusement les frères, la Coupe du Monde est très très belle, moi j'apprécie énormément, je regarde tous les matchs ces derniers temps là, ce soir on est le 14, ce soir je regarde l'Italie-Angleterre, donc voilà, j'aime la Coupe du Monde, j'aime le football, et malheureusement j'ai regardé les informations, parce que vous savez je regarde beaucoup, comment elle s'appelle, Chazal, là, le journal de Chazal, voilà j'aime beaucoup, je regarde un peu TF1, ça m'arrive, enfin ça m'arrive même souvent, et j'ai vu qu'à la Coupe du Monde, pour installer le terrain, ils ont dû virer plein de gens. Et croyez-moi, ils les ont pas virés en leur disant s'il vous plaît. Ils les ont virés à coups de batte. Ils les ont vraiment défoncés. Et moi, pour moi, ça me désole. Les frères, écoutez. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre, d'accord? Ok? Mettez-vous à ma place et essayez de vous mettre à votre place. Vous avez votre maison. Vous avez votre télé. On vient et on vous dit sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Waouh. Vous savez, j'ai envie de vous dire un seul truc. Le bonheur des autres fait le malheur des autres. Et le malheur des autres fait le bonheur des autres. Le bonheur, ça va être quoi? Le nôtre, on va regarder la coupe. Moi, je me régale à regarder la coupe. Mais d'un côté, je me sens mal pour ces pauvres gens-là. Parce que on dit la coupe, elle est bien. Tout le monde est content pour la Coupe du Monde. C'est bien, il y a l'Angleterre, il y a l'Algérie, cette année, alhamdoulilah, même l'année dernière elle était là, je suis fier de l'Algérie, la France, je sais qu'ils vont être là, je compte sur eux à chaque fois, donc la France encore c'est pas un problème, je sais qu'ils pourront se qualifier, mais l'Algérie à chaque fois j'ai peur qu'ils se qualifient pas, alhamdoulilah ils se qualifient, mais je suis heureux parce qu'ils sont là pour la Coupe du Monde, mais je suis heureux. Mais d'un côté, j'ai toujours un peu mal pour les gens qui se sont fait virer, parce que, en fait, on a pas mal les êtres humains, on est méchants, on est vraiment méchants en fait. On a pas mal tant qu'on n'est pas à la place de la personne, vous voyez. Mais si on essaye, si j'essaye moi maintenant, vous voyez, tout le mobilier que j'ai à la maison et tout ça, si je vois que le mobilier, on vient, on m'attrape, on me jette mon mobilier, on m'écrase mon mobilier, on me casse tout chez moi, oh, vous serez pas dégoûtés les frères, sincèrement. Là, vous avez votre console, on vient, on vous sort à coup de pied au cul. Bien sûr, le football... Enfin, les Brésiliens surtout, je vais vous expliquer un truc, les Brésiliens sont amoureux du football. Ce qui veut dire que ces gens-là qui sont manifestés, bah, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés dans le stade, vous voyez. C'est malheureux, mais c'est comme ça. c'est mieux de s'en remettre, essayer de s'en remettre. Mais bon, pour moi, ça me fait un peu mal pour ces personnes-là. Je sais pas vous les frères, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me fait mal personnellement que des gens se fassent virer de chez eux pour la Coupe du Monde. Parce que si on pourrait faire un truc qui ferait le bonheur des autres, fait le bonheur des autres, au lieu de faire le bonheur des autres, fait le malheur des autres, bah ça serait mieux. Ça serait mieux qu'ils auraient été un peu plus intelligents. Ils auraient essayé de trouver un coin un peu mieux. Vous voyez, organiser ça un peu mieux, ou commencer à virer des gens, genre un an et demi à l'avance, ou 2 ans, vous voyez, genre leur dire, allez, essayez de trouver notre maison, on va vous aider, on va vous faire ci, on va vous faire ça, essayez de décaler votre maison, ou essayez éventuellement de construire une maison un peu plus loin, ce secteur-là va être pris. Non, 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 ils n'ont pas dit ça les frères. Et le stade de Maracana, là, ou je sais pas quoi, là, c'est maintenant qu'ils commencent à défoncer tout le monde pour essayer de prendre la place, vous voyez. Et encore, hein, là, c'est même pas l'endroit où ils mettent le stade. Là, le stade, il a été mis à un endroit, on va dire, à peu près... vierge, vous voyez, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait à peu près rien dessus, ok. Ils ont démonté quelques maisons pour le stade. Mais le pire où ils ont démonté les maisons, c'était autour, pour le tour du stade, vous voyez, le tour. Pour que les gens soient protégés et tout, ils ont dû démonter encore des maisons autour. Et je peux vous dire qu'il y a plus de 3000 à 5000 personnes qui ont été virées de chez eux. Vous voyez. Donc moi ça me désole, mais bien sûr, attention les gars, je vous dis ça me désole, ça m'énerve un peu pour ces gens-là. Mais on peut rien faire, c'est malheureux, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est mater la Coupe du Monde et se faire quand même, essayer de se faire plaisir. Tout en pensant un tout petit peu à ces personnes-là, parce que je trouve ça dommage. Mais en tout cas, les gars, écoutez, juste dans la vidéo, hein, je vous souhaite à tous une bonne Coupe du Monde. Et puis, je vous souhaite à ce que votre équipe pour laquelle vous êtes gagne. Mais bon, hein, moi, ça sera l'Algérie qui va gagner, ok. C'est l'Algérie qui va gagner, d'accord. Non, je déconne. Je déconne, ce sera peut-être pas l'Algérie, mais eh ben, j'espère qu'elle va aller loin cette année. Voilà. Comme je disais, les gars, ça me fait plaisir que l'Algérie soit là, la France aussi. Et puis, voilà, ça me fait plaisir. La Coupe du Monde, ça me fait plaisir parce que c'est une fois tous les 4 ans. Malheureusement, le Brésil est un pays pauvre, donc ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Regardez Dubaï, dans pas longtemps, là. Eux, ils vont te mettre un terrain démontable et remontable, vous voyez. Et ben, après, bon, ils vont les offrir aux pays africains, donc ça fait plaisir, vous voyez. Voilà, ça fait plaisir de la part de l'Arabie Saoudite, vous voyez. Ça fait plaisir, ils vont offrir 7 ou 8 stades en Afrique. Voilà, ça fait plaisir une Coupe du Monde comme ça, vous voyez. Là, ça sera le bonheur des autres, fait le bonheur des autres. Parce qu'il y aura la Coupe du Monde, on va tous être heureux. L'Arabie Saoudite est un pays grand, ce qui veut dire, enfin, grand, normal quoi. Il va installer son terrain montable vite fait, ils vont le monter comme ça en 2-2. Leur terrain, c'est un truc de malade, eux, ils sont tellement riches, ils vont le monter en 2-2 leur terrain. Ils ont de quoi ramener de l'ouvrier, hein. Ils vont pas se faire chier, ils vont le monter en 2-2 le terrain. Et quand ça sera fini la Coupe du Monde, tac-tac, ils vont le démonter et ils vont envoyer chaque stade à un pays africain. Donc ça fait plaisir. On va se taper une Coupe du Monde. Enfin, j'ai pas envie de dire de la merde. Si c'est, je me rappelle même plus à Dubaï, vous savez, si c'est l'Euro ou la prochaine Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Vous voyez, je suis en train de non, je pense que c'est une Coupe du Monde. Je dis de la merde. Eh, je vous autorise à vous moquer de moi pour ça, ce que j'ai dit là. Je vous autorise à vous moquer de moi, les gars. Et dites-le-moi par commentaire, c'est où déjà, parce que je ne sais même pas si c'est la prochaine Coupe du Monde ou les prochains Jeux Olympiques ou même la prochaine Coupe d'Europe. Vous voyez, enfin, la Coupe d'Europe, c'est en Asie, l'Arabie Saoudite. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous pouvez vous moquer de moi les gars. Déjà on sait que c'est pas la Coupe d'Europe, hein. Soit la Coupe du Monde, soit les Jeux Olympiques. Voilà. Bref les gars. Voilà, tout ça les gars pour vous dire quand même, je vous souhaite à tous de passer une agréable Coupe du Monde. Je vous le souhaite vraiment du cœur parce que ça fait plaisir, hein. Vous voyez un peu sur Facebook, sur Twitter, j'essaie un peu de mettre les scores. Ce soir pareil, je mettrai les scores et tout pour le prochain match. N'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook et sur Twitter, je vous mettrai les prochains matchs. Et puis les gars, franchement je vous souhaite une agréable Coupe du Monde parce que c'est un moment à passer, c'est tous les 4 ans, hein, voilà, donc profitez-en. Enfin, profitez-en bien avec le grand-père, la grand-mère, le père, le grand-père, toute la famille. Je vous souhaite vraiment de passer un agréable moment en cette Coupe du Monde-là parce qu'elle va être magnifique. Je sens aussi qu'il y aura du bon jeu parce que les Espagnols, ben, ils ont pris une secouée. Ce qui veut dire que cette année, ça sera pas les équipes, voilà, les équipes. Non, cette année, ce sera de la combativité, ce sera ça qui va compter, je pense. Donc voilà les frères, je vous souhaite à tous une bonne Coupe du Monde. Essayez un peu de penser à ces pauvres Brésiliens quand même, hein. Voilà, ça fait un peu chier, je trouve. Vous voyez, ça fait un peu chier pour moi. Voilà les gars. En tout cas les frères, je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo sur la Coupe du Monde pour vous dire un peu ce qui se passe et tout ça. N'hésitez pas non plus à me dire si les séries que je vous ai dit, si vous voulez les accepter. N'hésitez pas bien sûr aussi à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Le lien sera dans la description. Je compte vraiment sur vous. Laissez un maximum de commentaires et un maximum de j'aime si vous avez kiffé la vidéo. Et partagez-la. Je vais pas vous le répéter à chaque vidéo. Ok? Putain, je déconne. Allez, ciao les frères. Bonne journée à vous.